Dans l'une des périodes les plus sombres d'Israël, Dieu appela Élie. À l'époque, Israël était sous le règne d'un des rois les plus néfastes, Achab. Achab avait été séduit par le pouvoir et la beauté. Il s'était marié à une princesse phénicienne de Tyr, Jézabel. Jézabel n'était pas seulement une épouse, elle était une manipulatrice, utilisant Achab comme un pion dans son jeu de pouvoir et d'ambition. Elle persuada Achab de se tourner vers Baal, le dieu de la nature, désirant éliminer toute menace à son pouvoir. Jézabel ordonna le massacre de nombreux prophétesses de Jéhovah. Elle était redoutée et tristement célèbre, cherchant toujours des moyens de renforcer son culte païen sans aucun scrupule ni crainte de Dieu. C'était Jézabel qui planifia la mort de Naboth afin qu'Achab puisse s'emparer de sa vigne. Un événement marquant le début de la mission du prophète Élie. Élie, le Tishbite de Galaad, est célèbre comme l'un des plus grands prophètes d'Israël. Bien qu'il n'ait pas de livre à son nom, son histoire est plus racontée que celle de nombreux rois. Il est célèbre pour son affrontement avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Dans une proclamation audacieuse, Élie confronta Achab. « Je jure par le Seigneur, le Dieu d'Israël, que le matin ne viendra pas avec de la rosée ni de la pluie pendant ces années-ci, sauf à ma parole. » Premier livre des Rois 17, verset 1. Et ainsi, après une longue période de sécheresse, Dieu instruisit Élie d'annoncer l'arrivée de la pluie. En se rendant à Samarie, Élie rencontra Abdias, serviteur d'Achab. Bien qu'étant au service de la maison royale, Abdias craignait Dieu. Il cacha courageusement et nourrit les prophètes, les protégeant de la colère de Jézabel. Au milieu d'un palais païen, Abdias maintenait sa foi intacte, nous rappelant des figures comme Joseph et Daniel, qui servaient également des rois qui ne connaissaient pas Dieu. Élie demanda à Abdias d'informer Achab de son retour. Et ainsi, alors qu'il marchait, Abdias rencontra Élie, reconnaissant le prophète. Il se prosterna, demandant « Est-ce toi, mon Seigneur, Élie ?» Élie répondit « Oui, va, dis à ton maître. Élie est ici, le premier livre des Rois 18, versets 5 à 8. Mais ce qui suivrait changerait l'histoire d'Israël à jamais. » En découvrant qu'Abdias avait trouvé Élie, Achab était dans un dilemme. Si Abdias informait le roi et pour quelque raison que ce soit, Élie ne se présentait pas. Achab n'hésiterait pas à exécuter son fidèle serviteur. Cependant, Élie assura Abdias avec fermeté et confiance qu'il se présenterait. Et lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, la tension était palpable. Achab, dans sa colère face aux problèmes d'Israël, dans la vision déformée du roi, pensait qu'Élie détruisait Israël avec sa prophétie d'absence de pluie. Mais Élie, courageux et inébranlable, réfuta, rappelant à Achab que c'était lui et non le prophète qui éloignait Israël de Dieu. Sans craindre le roi et son pouvoir, Élie défia Achab avec audace. Réunit tout Israël et les prophètes de Baal et ce sera sur le mont Carmel. La demande soulignait la profondeur de l'idolâtrie que Jézabel avait apportée en Israël. « Ce n'est pas moi qui ai apporté des problèmes à Israël, » déclara Élie. « Mais vous et votre famille, vous avez abandonné les commandements du Seigneur et suivi les Baals. » Premier livre des Rois 18, versets 18 à 19. Ce qui se présentait était une représentation claire de la bataille entre la vérité divine et la corruption humaine. Achab, bien qu'étant le roi d'Israël, avait égaré son peuple. Élie, d'autre part, présentait la véritable volonté de Dieu, sans attache avec la famille royale ou les intérêts politiques. Élie était la personnification de la vérité divine. Il était là pour défier et corriger, non pour plaire. Sur le mont Carmel, la scène était prête. Achab accepta le défi d'Élie, peut-être croyant qu'avec tant de prophètes de son côté, la victoire était assurée. Tous observaient attentivement. La question en suspens était claire. Qui est le vrai Dieu? Israël était au bord d'une décision monumentale. Suivrait-il le Dieu de leurs ancêtres ou continuerait-il sur la voie de l'idolâtrie? Achab, réalisant la gravité du défi, envoya le message à tout Israël, réunissant les prophètes sur le mont Carmel. Avec un regard sérieux, Élie, combien de temps resterez-vous en équilibre? Choisissez déjà votre camp. Israël était divisé comme un homme chancelant d'un côté à l'autre. Élie clama, « Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le !» Ses paroles étaient comme une flèche, demandant une réponse immédiate. Mais la réponse fut un silence assourdissant. Le peuple, qui avait déjà vu tant de miracles de Dieu, ne dit pas un seul mot. Élie, ressentant le poids de l'indécision de son peuple, réitéra son défi. Mais le silence prévalut. Ils étaient perdus, confus. Après avoir établi le défi, Élie et les prophètes de Baal se préparèrent. Chaque côté aurait un sacrifice, un autel et une prière.
La différence, le vrai Dieu répondrait par le feu. Les gens regardaient avec impatience. Espéraient-ils vraiment une réponse surnaturelle? Peut-être, en considérant les probabilités, pensaient-ils qu'Élie, en infériorité numérique, n'avait aucune chance. Avec confiance, Élie déclara « Vous avez beaucoup de prophètes, je suis seul. Choisissez un bœuf, préparez-le, mais n'allumez pas le feu. Je ferai de même. Le vrai Dieu répondra par le feu. » Le peuple murmura en accord, reconnaissant la justice du test proposé par Élie. Les faux prophètes commencèrent leur rituel. Pendant des heures, ils crièrent, dansèrent, se coupèrent, espérant une réponse de leur Dieu. Le ciel, cependant, demeura silencieux, indifférent à leurs supplications, une représentation claire que les rituels vides n'ont pas de valeur devant la véritable divinité. Pendant que les faux prophètes continuaient frénétiquement leurs efforts, ceux qui observaient assistaient à une exhibition futile d'une foi mal placée. Il y a un vide profond quand on se tourne vers les idoles au lieu du seul vrai Dieu. Pendant ce temps, le sens de l'humour aiguisé d'Élie se manifestait alors qu'il offrait ses commentary sarcasticus, ses moquande leurs efforts vains. Avec un ton sarcastique, il les taquina. Peut-être qu'il est perdu dans ses pensées ou en voyage, ou peut-être qu'il fait la sieste. L'intention d'Élie était claire. Il voulait exposer Achab et ses prophètes, révélant la façade trompeuse qu'ils avaient construite autour des Israélites. Leur faux Dieu et leur religion avaient été une épine dans le pied d'Israël, les éloignant de leur alliance avec le Seigneur. Avec une pointe d'ironie, Élie donna aux prophètes de Baal le premier tour, leur disant de préparer leur taureau. Comme vous le faisiez. Leur cri devenait plus fort, leur danse plus frénétique. Cependant, leur divinité resta sans réponse, les laissant désespérés et humiliés. Ils se sont agenouillés et ont prié. Et quelle prière! Le principal souhait d'Élie était que, ce jour-là spécifique, le Dieu d'Israël se manifeste devant tout le peuple. Et quel serait le résultat? Les gens reconnaîtraient que l'Éternel est Dieu et qu'Élie est son prophète. Et par conséquent, leur cœur retournerait vers lui. Une prière pour la gloire de Dieu et l'édification de son peuple. C'est le genre de prière à laquelle Dieu répond au moment du sacrifice. Le prophète Élie fit un pas en avant et pria « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Seigneur, pour que ce peuple sache que tu es le Seigneur Dieu et que tu ramènes leur cœur. » Premier livre des Rois 18, versets 36 à 37. Dieu répondit à la prière d'Élie de manière spectaculaire, surtout parce qu'il faisait maintenant nuit, le moment idéal pour une démonstration impressionnante. L'offrande, le bois, les pierres et la poussière furent tous consumés par le feu qui descendit du ciel. Même l'eau fut aspirée par les flammes. Tous présents reconnaîtraient que le surnaturel avait envahi le naturel, que le spirituel avait touché le physique et que l'éternité s'était infiltrée dans l'histoire. Ainsi, le peuple d'Israël fit la seule chose à laquelle il pouvait penser. Ils s'agenouillèrent, proclamèrent « L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. » Alors Élie leur ordonna « Saisissez les prophètes de Baal, que pas un seul n'échappe. » Ils les capturèrent et Élie les emmena dans le vallée de Kishon et les exécuta. Premier livre des Rois 18, versets 38 à 40. Avec la grandeur et l'unicité du Seigneur justifiés et confessés, il était temps de mettre fin à la sécheresse et à la famine sur la terre. Le prophète informa Achab qu'une tempête approchait et monta au sommet du Carmel pour prier. Élie persévérait dans son intercession jusqu'à ce que le Seigneur réponde par une pluie torrentielle. En d'autres termes, il adopta la mentalité d'une femme en travail alors qu'il continuait de prier. La réponse arriva après 7 tentatives, le chiffre de la plénitude. Il fut également béni par le pouvoir incroyable qui lui permit de dépasser le char d'Achab jusqu'à Jizréel. Élie était ravi du pouvoir du Seigneur. Il était au sommet d'une apogée spirituelle. Cependant, il était sur le point d'entrer dans la vallée de l'ombre de la mort. Et Élie dit à Achab, « Va, mange et bois, car j'entends le bruit d'une grande pluie. » Alors Achab alla manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, se pencha à terre et mit son visage entre ses genoux. « Va, regarde vers la mer, » dit-il à son serviteur, et il alla regarder. « Il n'y a rien, » dit-il 7 fois. Élie dit, « Retourne !» À la 7e fois, le serviteur dit, « Un nuage aussi petit que la main d'un homme se lève de la mer. » Alors Élie dit, « Va, dis à Achab, attelle ton char et descends avant que la pluie ne t'arrête. » Pendant ce temps, le ciel s'assombrissait avec des nuages, le vent augmentait, une pluie battante
commença à tomber et Achab partit pour Jizréel. La puissance du Seigneur vint sur Élie et en enroulant son manteau autour de sa ceinture, il courut devant Achab tout le chemin jusqu'à Jizréel. Premier livre des Rois 18, versets 41 à 45. Leçon tirée d'Élie et des prophètes de Baal. La première leçon est qu'il y a un vrai Dieu. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. » Jean 14, verset 6. L'activité et l'enthousiasme ne sont pas toujours des signes de spiritualité. Il ne fait aucun doute que les prophètes de Baal sur le mont Carmel étaient à plein de zèle et d'activité. Ils étaient sincères dans leurs efforts, mais combien d'entre vous savent que l'on peut être sincère dans ses erreurs? Cela a été largement démontré sur le mont Carmel. La foi peut être mal placée. La foi n'est pas la chose la plus importante. Cela peut sembler une déclaration étrange ou blasphématoire, mais la foi n'est pas primordial. L'aspect le plus crucial de la foi est l'objet de la foi. Ceux qui suivaient Baal avaient une sorte de foi. Ils avaient passé toute leur vie à adorer ce Dieu. Ils avaient foi en Baal. Ils croyaient en Baal. Cependant, leur foi était inutile, car l'objet de leur foi était inutile. Cette leçon nous enseigne que seuls ceux qui croient en Jéhovah finissent du côté gagnant. Il n'y a personne d'autre en qui mettre sa foi. Dieu protège toujours son propre peuple. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.